Ah, non, j'ai pas de ce côté.
Il est 18h. S'il vous plaît. Ah non. Oui, ça marche, le micro. Mesdames et messieurs, si vous aviez la bonté de vous rapprocher, de vous installer, hein, là, ça l'arsène un petit peu. La sono, voilà, c'est, là, ça a l'air mieux. La retransmission a commencé, là. Voilà. Bon, ben. Madame Fortin, précipitez-vous. Il est 18h02. Il est 18h02. Et nous allons démarrer ce conseil d'arrondissement du 27 septembre 2022. On va évidemment commencer par dire bonjour à tout le monde, mesdames et messieurs, les conseillères, mesdames et messieurs qui assistez dans la salle du conseil, vous êtes quelques-uns et quelques-unes, mesdames et messieurs qui nous suivez en direct sur Facebook et sur YouTube, nous vous remercions toutes et tous. Et j'en profite une nouvelle fois pour vous rappeler que ce conseil d'arrondissement est ouvert. Il y a encore des places en présentiel. Et donc, vous êtes les bienvenus. Nous allons donc commencer par l'appel nominal par le Benjamin de notre Assemblée. Et M. Rupnik étant présent. Où est M. Rupnik ? Je l'ai vu. Il est là. Donc, M. Rupnik, je vous serai reconnaissant de faire l'appel, s'il vous plaît. Madame Micheline Abour. Madame Marie-Hélène Amsalem. Monsieur Pierre Benaroche. Présent. Monsieur Yvon Berland. Présent. Monsieur Jean-Marc Bonafou. Présent. Madame Véronique Brambilla. Monsieur Joël Canicave. Madame Danielle Casanova Gavino. Monsieur Pierre Secaldi. Monsieur Frédéric Collard. Madame Alexandra D'Agostino. Madame Pauline Delage. Madame Rosette Denia Salonne. Monsieur Didier Elrarbaï. Monsieur Lee Ferrero. Madame Olivia Fortin. Monsieur Christophe Hugon. Monsieur Luca Incapa. Monsieur Cédric Jouve. Madame Christine Just. Madame Isabelle Lossine. Monsieur Pierre Lemery. Monsieur Baptiste Luçon. Monsieur Bernard Maranda. Madame Juliette Masson. Madame Anne Meillac. Monsieur Olivier Ménétrier. Monsieur Éric Méry. Monsieur Xavier Méry. Madame Marie Michaud. Monsieur Yves Morène. Monsieur Lourdes Mounien. Monsieur Elliot Perenchio. Monsieur Ludovic Pernet. Madame Catherine Pilla. Madame Nora Preciosi. Madame Donna Richard. Madame Sophie Roch. Monsieur Rupnik Alexandre, présent.
Madame Christelle Simonetti. Madame Nathalie Tessier. Madame Martine Vassal. Madame Elisabeth Venton. Monsieur Cyprien Vincent. Madame Serena Zwaghi. L'appel est terminé et le quorum étant atteint, ce conseil d'arrondissement peut valablement démarrer. Nous allons voter concernant le compte-rendu du conseil d'arrondissement du 22 juin 2022. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le PV est adopté. Et nous allons maintenant passer à l'examen des rapports. Et le rapport numéro 1 est un rapport du conseil d'arrondissement présenté et porté par le conseil d'arrondissement qui concerne la création d'un comité consultatif de vigilance sanitaire sur la friche de l'Aigremente. Et c'est moi-même qui vais le présenter. Différentes réunions publiques sur un projet de dépollution et d'aménagement de la friche l'Aigremente ont été organisées ici même depuis mai. Nous avons au total passé près de 8 heures de réunions d'information ensemble avec les habitantes et les habitants, avec toutes les parties prenantes du dossier, les services de l'État et bien évidemment les élus concernés. L'enquête publique est en cours et d'ailleurs j'invite toutes celles et tous ceux qui auraient des remarques à porter sur cette enquête publique à consulter les documents qui sont en mairie de secteur ou au siège de l'urbanisme à la rue Fauchier. Et c'est à l'issue de cette enquête que la ville accordera ou non le permis de construire. Dans ce dossier, il y a deux types de vigilance à avoir. La toute première est la vigilance sanitaire sur l'emprise de la friche. C'est la première des priorités car tous les habitants ont besoin d'être informés en temps réel des opérations sur la parcelle, qu'il s'agisse d'opérations mineures ou majeures. Ensuite viendra en 2023 la vigilance sur le type d'activité commerciale, les services, les équipements publics. Et cela fera l'objet, en temps voulu, de concertations avec les habitants. Pour ce qu'il nous revient aujourd'hui d'examiner, je soumets donc à votre approbation la création d'un comité de vigilance sanitaire sur la friche et l'opération L'Aigremente. Il vise à permettre l'information des habitantes, des habitants, des élus, des associations, par le propriétaire et les opérateurs en charge de la dépollution et de la construction. Il a aussi pour objectif une vigilance active sur les opérations et l'interpellation des pouvoirs publics si nécessaire. J'en assurerai la présidence et il sera composé d'un collège de 5 collèges. Les 5 collèges seront des élus, des représentants de l'État, des représentants des CIQ du 8e arrondissement, des associations, des représentants des opérateurs du projet et des tiers experts désignés. Dans les jours qui viennent, un appel à candidature sera mis en ligne sur le site de la mairie pour intégrer ce comité. Et si sa composition est limitée à 25 membres, je veillerai à ce que l'ensemble des personnes qui se sont signalées soit intégré aux listes de diffusion d'informations et puisse être invité aux réunions publiques que le comité de vigilance organisera régulièrement. Il appartiendra à ce comité de fixer son règlement intérieur à sa première réunion que je souhaite convoquer avant les vacances de Toussaint. Je tiens à rappeler que les principes de ce comité de vigilance sanitaire ont été posés dans les différentes réunions publiques qui se sont tenues ici. J'ai néanmoins souhaité, d'une part, que la transparence en soit garantie par la présidence d'élus, et d'autre part, que celui-ci soit lancé au plus vite pour recueillir les questions et interpellations des habitants dès maintenant. Y a-t-il des questions, des observations ? S'il n'y en a pas, nous allons donc procéder au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté. Le rapport numéro 2 concerne l'approbation de l'avenant au contrat de ville du territoire Marseille-Provence. Et c'est un rapport que je présenterai également.
Le contrat de ville du territoire Marseille-Provence adopté en 2015 est le cadre de la politique contractuelle en direction des quartiers prioritaires. Signé pour 5 ans, il a déjà été prolongé jusqu'en 2022. 35 quartiers prioritaires sont identifiés sur Marseille. 236 000 Marseillaises et Marseillais y vivent. C'est notamment dans ces quartiers prioritaires identifiés politiques de la ville que se déploie le programme des cités éducatives. Dans notre secteur, ce sont quelques rues du 6e arrondissement qui sont concernées par ce rapport, au titre du secteur centre-ville, qui comprend notamment le cours Julien. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Nous allons donc voter. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Le rapport numéro 2 est adopté. Le rapport numéro 3 va nous être présenté par M. Jean-Marc Bonafou et il est particulièrement important puisque c'est grâce à lui que nous ferons tourner en 2023 notre mairie de secteur. Merci Monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers et chers collègues. Cette délibération concerne l'approbation par cette Assemblée de la dotation annuelle de fonctionnement et d'investissement de la mairie du 4e secteur de Marseille. Je rappelle que la dotation de fonctionnement est constituée de deux composantes. La dotation de gestion locale, elle s'élèvera à 1 460 734 euros pour notre mairie. Attribuée au titre des équipements transférés et du fonctionnement des services, elle est calculée notamment en tenant compte de la population du secteur et de sa composition socio-professionnelle, des caractéristiques des équipements transférés et du taux de l'inflation. Il faut noter que le calcul lié aux équipements sociaux et au boulodrome a été modifié. En lieu et place d'une attribution forfaitaire, il est désormais tenu compte de la surface des locaux concernés, de leur fréquentation, de leur mode de gestion et de leur éventuelle situation en QPV. Cette méthode permet de coller au plus près des réalités de chaque équipement. Il faut noter que la dotation supplémentaire de 20 000 euros pour le traitement et la gestion des dossiers de PAX est conservée cette année encore. La deuxième partie de cette dotation de fonctionnement est la dotation d'animation locale qui sera de 326 664 euros. Elle finance les dépenses liées à l'information des habitants, à l'animation démocratique et culturelle, ainsi qu'aux travaux de première urgence qui présentent un caractère de fonctionnement. Là encore, la ville de Marseille a considérablement modifié le mode de calcul. La part par habitant est revalorisée à 2,30 euros au lieu de 36 centimes précédemment. Cette part est doublée pour les ménages les plus pauvres recensés par l'INSEE, qui sont au nombre de 8 000 environ dans notre secteur. Ces modifications portent le montant total de la dotation de fonctionnement à 1 787 396 euros, soit plus de 100 000 euros de plus qu'en 2022. La dotation pour l'investissement sera de 250 462 euros. Elle est attribuée pour l'achat de biens et de matériel durable, pour la construction ou l'aménagement de bâtiments, ou encore pour faire effectuer des travaux d'infrastructure. Tel est le rapport qui est soumis à votre vote. Il a reçu un avis favorable de la commission. Absolument. Y a-t-il des interventions sur ce rapport ? Il n'y en a pas. Nous allons donc procéder au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Le rapport numéro 3 est adopté. Et un classique du Conseil d'arrondissement de rentrée, un rapport sur les équipements et patrimoine transférés. Merci, Monsieur le maire. Cette délibération concerne effectivement l'adoption de l'inventaire des équipements dont la gestion est confiée au mairie de secteur. Pour ce qui nous concerne, deux modifications ont été apportées à l'état précédent. La mairie des 6e et 8e arrondissements se voit attribuer la gestion de la maisonnette solidaire du 6-8 et de son espace vert attenant, que vous voyez en illustration. Ce petit équipement est situé juste derrière l'immeuble du Corbusier et aura vocation, comme son nom l'indique, à abriter des actions de solidarité. A l'inverse, la taille et la fréquentation du stade Michelier, situé à Montredon, rendent préférable la restitution de sa gestion à la mairie centrale. Il vous est donc proposé d'adopter ce nouvel inventaire des biens transférés et ce rapport a reçu également un avis favorable de la commission. Une intervention. Passons au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Le rapport numéro 4
est adopté. Le rapport numéro 5 a été retiré, donc nous n'en parlerons pas. Le rapport numéro 6 nous est présenté par Cédric Jouve et il entame la série des délibérations de financement des associations. Alors avant de parler du rapport, je vais comme d'habitude, n'est-ce pas, faire la revue culturelle des actions du 6-8 et au-delà, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses cet été. Dans le cadre de l'été marseillais, nous avons abondé avec des actions très significatives. Donc là, vous pouvez voir quelques photos de l'action Culture au Jardin qu'on a reproduit pour cette deuxième année, avec 8 spectacles dans nos parcs et jardins, et des nouveaux parcs qui ont extrêmement bien fonctionné en termes de fréquentation, comme le parc Pastré. On avait jusqu'à 200 personnes, voire plus, dans la plupart des manifestations de théâtre, de poésie, de musique. Voilà, donc je vous invite l'année prochaine, si vous n'êtes pas venu, à y participer. Donc deuxième slide, donc toujours dans le cadre de l'été marseillais, fin août, on a reproduit le festival Hip Hop Non-Stop avec 5 mairies de secteur et la mairie de Marseille. Donc un très très bel événement qui s'est encore étendu cette année avec 15 collectifs de hip-hop qui ont participé à travers toutes les disciplines du hip-hop. De nombreux artistes émergents, beaucoup de jeunes, une très belle mixité sociale, donc on est vraiment content de cette édition. Et surtout, le côté intersecteur a été beaucoup plus valorisé, puisqu'il n'y a pas eu uniquement le Théâtre Sylvain, il y a eu aussi une projection inaugurale en partenariat avec le FID à La Friche, avec un documentaire sur l'inclusion EPON, donc qui est un artiste hip-hopper qui est à la Mardi de Charcot, donc c'était vraiment très émouvant. Et ensuite, on a continué fin août avec le Théâtre Sylvain, la place du refuge dans le panier, dans le 15-16 aussi le parc Biou, et on a fini sur cette place emblématique de la plaine. Voilà, donc très belle édition hip-hop non-stop. Donc maintenant on va parler de l'avenir très proche, puisque le 8 octobre a lieu pour la deuxième édition Remue Ménage à Bagatelle, donc qui met à l'honneur à nouveau la culture scientifique, avec différentes animations, évidemment toujours gratuites pour tout le monde, et on en aura vraiment pour tous les goûts et tous les âges. Donc il y aura aussi bien la Calanque mobile qui va revenir avec son van pour qu'on apprenne beaucoup de choses sur la biodiversité et les calanques. Il y aura aussi des animations de grimpe dans les arbres avec l'association Arbolatoire, où on pourra grimper carrément dans les arbres de Bagatelle. Voilà, c'est sécurisé, ne vous inquiétez pas. Et c'est même accessible à des personnes à mobilité réduite, car il y a des équipements pour. Il y aura deux expositions, une en extérieur sur les canopées, justement, les arbres, et en intérieur, plutôt projet Art Science, puisque cette année, on est toujours sur la biodiversité et le climat, donc qui est le thème de la fête de la science. À noter qu'on est le deuxième pôle de Marseille, il n'y a que deux pôles, la mairie centrale et nous, à proposer donc des animations dans le cadre de la fête de la science. Et on est labellisé fête de la science, vous pouvez le voir sur le site officiel d'ailleurs. Et pour terminer, il y aura des échanges, débats, ici dans la salle principale, donc en mode Agora des sciences, avec des scientifiques de grand talent, grâce à un partenariat avec un laboratoire scientifique, donc sur la grotte Cosquaire, sur la biodiversité dans les sols, sur les migrations humaines liées au réchauffement climatique aussi. Donc voilà, un très très bel événement à venir. Vous êtes invités à venir en masse, bien évidemment. Voilà, donc j'arrête là, et je passe au rapport, puisque c'est ce dont on doit parler ce soir. Donc voilà, le rapport numéro 6 qui concerne donc l'approbation d'une troisième répartition aux associations au titre des subventions d'aide à la création 2022. Donc ce rapport est signé par Jean-Marc Coppola, adjoint à la culture pour toutes et tous. Comme je vous l'avais indiqué lors du dernier conseil d'arrondissement, maintenant les subventions sont structurées autour de 4 piliers qui montrent notre ambition et notre politique culturelle, donc c'est extrêmement important. C'est plus uniquement des thèmes, mais c'est des piliers de politique culturelle. Donc le premier est autour de la mondialité culturelle, mais là, bon, il n'y a pas de subvention qui concerne notre secteur. Le deuxième pilier, c'est la démocratie culturelle. Donc là, on a deux structures dans notre secteur, donc art visuel avec Digital Zone et patrimoine avec Va jouer dehors.
Le pilier 3, donc l'éducation artistique et culturelle, qui est pour nous extrêmement important, car on a vraiment comme objectif que toutes les petites Marseillaises et les petits Marseillais aient un contact avec la culture et l'art durant leur scolarité. Donc là, on a l'association Zimzam. Et ensuite, en pilier numéro 4, voilà, soutien à la structuration de l'écosystème culturel avec des centaines d'associations culturelles à Marseille qui méritent notre soutien et notre attention. Donc là, on en a plusieurs. Je vais juste vous parler très rapidement de Résonance, qui est une association qui a un très beau projet qu'on subventionne donc, à hauteur de 5000 euros. Donc il y a 1000 mineurs non accompagnés qui arrivent seuls chaque année à Marseille. Et donc ils sont un petit peu invisibles, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent. Et là, ce projet, c'est de faire un film avec eux pour montrer leur parcours, leur intégration. Et donc il y aura des ateliers de jeu et d'écriture avec eux. Donc je trouve que c'est un projet très intéressant en termes d'action culturelle pour toutes et tous. Les producteurs associés, donc 3000 euros. Et pour finir, la revue IF, qui est une revue qui existe depuis 1992, créée par trois poètes extrêmement connus à Marseille, de grands talents, Jean-Jacques Vitton, Henri Deluis et Liliane Giraudon. Voilà, ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Est-ce qu'il y a une intervention ? Non. Merci, Monsieur Jouve. Nous allons passer au rapport, au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté. Et nous allons ensuite demander à Madame Meillac de venir à la tribune pour présenter deux rapports, le rapport numéro 7 et le rapport numéro 23, dans un ordre modifié. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les habitants, chers collègues, alors un rapide point sur l'actualité. Alors pour faire culture au jardin, il faut des jardins. Non. Donc on vous a souvent parlé des jardins et la nouveauté là, au mois d'octobre, c'est que les fameux 5 jardins dont nous préparons la renaturation depuis un an, eh bien ils entrent en phase chantier. Donc vous allez commencer à avoir des travaux qui démarrent dans 3 jardins du 6e arrondissement, le jardin de Corinthe, le jardin du réservoir qui est une transformation de friche en jardin, rue Lacédémone, et le jardin des sœurs franciscaines dont le chantier a commencé. Dans le 8e, il s'agit du parc Valbel et du jardin du Rouet, qui lui aussi est une transformation de friche en jardin de proximité. Alors ne soyez pas étonnés si vous voyez des travaux qui démarrent et qui s'arrêtent et puis qui redémarrent. On est obligé de jongler avec des contraintes de marché disponibles, pas disponibles, etc. Donc ce sont des chantiers qui vont en gros durer un an, mais qui démarrent en octobre. Alors ça, c'était le premier point. Puisqu'on a bouclé une vague, un cycle, réinventons nos jardins. Nous voici désormais, nous en mairie de secteur et les habitants avec nous, disponibles pour lancer un nouveau cycle. Réinventons nos places. Pour ceux qui ont un peu traîné leur guêtre du côté de Paris, on copie en fait, on n'est pas très très originaux. Réinventons nos places, c'est un programme qui là-bas... sous la mandature précédente, a fait merveille pour réinventer 7 grandes places qui étaient de terribles entonnoirs à voitures et qui sont aujourd'hui des parcs, en fait, qui continuent à laisser passer les voitures, mais qui sont des parcs. Eh bien, nous, modestement, à l'échelle du 6-8, nous démarrons. Nous avons commencé cette semaine des concertations en mode laboratoire citoyen, c'est-à-dire qu'on a invité largement les CIQ, bien entendu, mais aussi les associations de quartier et tous les habitants qui souhaitaient venir, sur une concertation à Bonneveine et une autre donc pour la place Bonnefond, et une autre hier soir à Notre-Dame-du-Mont. Toutes deux ont réuni quasiment une centaine de participants, et donc on était très très heureux. Simplement pour la bonne lisibilité de notre action, sachez que nous tiendrons ce type de laboratoire citoyen dans chaque quartier selon le format suivant. 3 rencontres par an, hein, parce qu'en faire plus, ça commencera à faire vraiment beaucoup. 3 rencontres par an pour avoir du temps entre chaque rencontre, à la fois de laisser les habitants retourner, travailler entre eux, entre associations, etc., pour construire leurs projets. Et puis nous, de notre côté, avec les services municipaux et métropolitains, construire ce qui nous a été demandé, donc revenir avec des réponses. 3 fois, 4 fois, on verra. Mais en tout cas, les prochaines dates sont déjà fixées. Pour Bonnefond, c'est le 14 janvier. Et pour Notre-Dame-du-Mont, c'est le 10 octobre. On est un peu plus pressé parce qu'on aimerait mettre des choses en programmation en 2023.
Et bien le reste de l'actualité sur la transition écologique du secteur, c'est le rapport numéro 7, qui est présenté par la direction générale adjointe Ville plus verte et plus durable, sur proposition conjointe de 4 adjointes au maire de Marseille, Mme Juste, ici présente, Mme Benmarnia, Mme Prigent et Mme Biancarelli Lopez. 4 délégations impliquées, mais pourquoi donc ? Le rapport propose d'approuver une convention de partenariat entre la ville de Marseille et l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie, aussi appelé IMBE, vous voyez le logo en bas, pour évaluer l'état initial et l'impact de nos opérations de renaturation sur la biodiversité des sols dans les squares, les parcs et les jardins. Alors le mot-clé dans tous ces mots, c'est « sol ». Je suis vraiment très très heureuse de vous présenter cette délibération, d'abord parce qu'elle est vitale pour nos jardins, je vais en dire un mot, et ensuite parce qu'elle est née ici, dans le 8e. Depuis 2020, donc, on vous a souvent parlé de jardins, renaturer, faire revenir la nature en ville, former une trame verte, etc., ça commence à être des mots familiers. Et puis bon, après ce qu'on a vécu cet été, on a encore plus envie qu'avant que ça avance. Et ce retour de la nature en ville, il passe par la renaturation des jardins publics à deux niveaux. En l'air, donc le choix des essences végétales qu'on plante et qu'on entretient. Et puis au sol, on retire du bitume, donc on désimperméabilise quasiment systématiquement. Et on travaille le sol. Parce que pour que les jardins soient beaux durablement et pour qu'on plante plus qu'avant, alors qu'on a toujours les mêmes budgets, il faut changer quelque chose. Comme ce n'est pas les budgets qu'on peut changer, là tout de suite, ce sont les procédés. On va améliorer le fonctionnement de l'écosystème du jardin en infiltrant l'eau de pluie déjà, en améliorant le fonctionnement écologique du vivant pour que ces sites qui étaient dégradés retournent dans un cercle vertueux et réaccueillent la vie biologique. Alors le sol, il a besoin d'attention. Il faut le décompacter, il faut l'aérer et puis il faut arrêter de balayer ou d'aspirer les feuilles. Il faut maintenir la litière au pied des arbres, au pied des arbustes, parce que c'est ça, en fait, qui va venir nourrir le sol et faire en sorte que les plantes se dessèchent moins rapidement. Donc en 2021, sachant que nous lancions ces programmes de rénovation, de renaturation de jardins, je cherchais un partenaire capable d'étudier les impacts de nos opérations de renaturation sur les sols avant-après chantier. J'ai trouvé ce partenaire au Congrès mondial de la nature, au bout de la rue, congrès mondial, partenaire local, puisqu'en fait, on a trouvé l'IMBE, qui n'est autre qu'un laboratoire d'Aix-Marseille Université. Magique. Les chercheurs que nous avons rencontrés là-bas et toute l'équipe qu'on a ensuite rencontrée à Saint-Charles, ils vont effectuer donc ces études d'impact pendant 5 ans en tout, vu qu'en fait, ils ont déjà un peu commencé bénévolement. Ils vérifieront s'il y a plus de vie dans le sol après renaturation, et aussi ils nous guideront en fonction de l'état des sols pour choisir les végétaux les plus adaptés, ceux qui rendent le plus de services écosystémiques. Il y a la fraîcheur, mais il y a aussi la captation des poussières, et puis l'embellissement du cadre de vie. Alors, ce qui est soumis concrètement au vote ce jour, ce sont les modalités de fonctionnement. Pendant 4 ans encore, là on signe pour 4 ans, l'IMBE va analyser 22 jardins, dont 7 dans le secteur, au moyen de prélèvements physico-chimiques. Et on a déjà eu le plaisir d'accueillir les deux chercheuses qui travaillent sur le projet sur un laboratoire citoyen à Vauban au mois d'avril et samedi à la place Bonnefond. Le partenariat entre la ville de Marseille et l'IMBE et la métropole apporte un concours financier pour un montant de 5 000 € annuels, sachant que ça, c'est un tout petit montant, hein, vous voyez, ça coûte pas cher quand on travaille avec des universitaires. Mais à côté de ça, la jeune chercheuse qui va être active sur ce projet est également en cours de financement CIFRE. Donc elle va faire une thèse de doctorat sur ce projet. Donc c'est ce contrat de partenariat qu'on soumet à votre approbation. Et le rapport a reçu... Ah oui, je vais vous donner quand même les jardins chez nous, là. Jardin de Corinthe dans le 6e arrondissement, Parc Lacédémone et Jardin des Sœurs Franciscaines. Dans le 8e arrondissement, ce sont 4 jardins qui sont concernés, le parc central de Bonneveine, le parc Bortoli, le square Mélisan, boulevard Abateau, et le square des Goumiers à Bonneveine. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci Madame Meillac. Y a-t-il une intervention sur ce rapport ? Nous allons donc passer au vote. Qui vote contre ?
qui s'abstient. Le rapport numéro 7 est adopté. Rapport numéro 23, Madame Meillac. Alors, le rapport 23 est présenté par la Direction générale adjointe de la Ville du Temps Libre sur proposition de Madame Prigent. Il s'agit d'un rapport classique sur les ravalements de façades qui propose d'approuver l'attribution de subventions pour des propriétaires d'immeubles en centre-ville lorsque l'immeuble est soumis à une injonction de ravalement de façade par la ville. Il vous est demandé aujourd'hui d'approuver un montant total de subventions de 200 743 euros, dont 4 477 euros pour notre secteur dans le 6e arrondissement. 5 dossiers rue d'Italie subventionnés à hauteur de 30%. Et je rappelle que le programme est financé par la ville à hauteur de 20% et par le département des Bouches-du-Rhône à hauteur de 80%. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci, Madame Meillac, de continuer à embellir la ville. Qui a une intervention ? Pas d'intervention. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Le rapport numéro 23 est adopté. Et nous passons au rapport numéro 8 présenté par Madame Amsalem. C'est un rapport qui présente un joli projet de santé publique pour apprendre à vivre ensemble. Monsieur le maire, bonjour, mesdames, messieurs, mes chers collègues. Avant de vous parler du rapport, je vais vous présenter les actions que nous mettons en place dans le cadre de notre délégation de santé publique. Il s'agit tout d'abord d'une conférence grand public dans le cadre d'Octobre Rose, qui va être faite ici même le 7 octobre 2022. Cette conférence est faite en partenariat avec l'Institut du Sein. Elle est ouverte à toutes et tous sur inscription via le site de la mairie. Vous voyez ici le programme qui est également sur le site. Nous avons également mis en place dans notre secteur des ateliers pour les seniors. Mon assiette a du goût. Ce sont des ateliers qui permettent, un, de retrouver le goût de manger bon, sain et pas cher, pour préserver sa santé physique, morale et pour découvrir des produits locaux, les astuces d'un chef, recréer du lien social et repartir chez soi avec un petit panier contenant tous les ingrédients pour refaire la recette à la maison. Vous voyez ici quelques photos, c'est dans nos centres municipaux d'animation. Je vais maintenant passer au rapport. Sur proposition de Madame l'adjointe en charge de la santé publique, la promotion de la santé, nous soumettons au conseil municipal le rapport suivant. Il s'agit d'attribuer des subventions aux associations développement des projets de santé dans le budget primitif, deuxième répartition. Dans notre secteur, c'est l'association Plus Fort. Cette association agit pour développer les compétences psychosociales, prévenir les violences et le harcèlement et former les professionnels tels que les enseignants, les éducateurs, les surveillants et les professionnels de l'enfance. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci, Madame Salem. Je tiens à dire que hier j'étais à la foire de Marseille parce que mon assiette a du goût a eu les honneurs de la foire de Marseille et d'un atelier particulier puisque cette année la thématique est la thématique culinaire et que nous avons eu le plaisir avec Guillaume Sourieux d'avoir une caponata de loup et elle avait l'air délicieuse. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'intervention, une intervention peut-être. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Le rapport numéro 8 est adopté. Merci. Rapport numéro 9 qui va nous être présenté par M. Vincent, qui ne me contredira pas quand on dit que la santé, c'est le sport. Tout à fait. Sport-santé, c'est vraiment la santé. Bonsoir, mesdames et messieurs, très chers collègues. Alors, la mairie 6-8 continue de porter haut son programme de sport avec la deuxième édition de la course Courir Ensemble. Je vous donne rendez-vous donc le dimanche 2, ce dimanche-là, sur le Prado, juste derrière le David, où au programme on aura trois courses. Une course pour adultes qui commence à 10h sur 4,5 km. Une course pour les enfants de moins de 16 ans qui sera à 14 heures et qui fera moins d'un kilomètre. Et surtout, cette année, nous avons décidé de faire un éco-jogging. Alors cet éco-jogging, c'est quoi ?
C'est en partenariat avec Clean My Calanque, qui est une association bien connue. On fait une course au ramassage de déchets. Donc celui qui ramasse le plus de déchets a gagné. C'est, le vainqueur aura le plaisir de remporter une course, mais tout le monde qui participera y gagneront un plaisir à rendre leur ville plus belle et à ramasser et à rendre plus agréable. De plus, courir ensemble en partenariat avec l'Institut du Sein soutient le Octobre Rose. Donc cette année, nous renforçons l'engagement de cette course et portons haut les couleurs de l'Octobre Rose qui seront la première démarche de la mairie pour ce mois. Vous retrouverez toutes les informations de cette course sur la mairie sur le site de la mairie 6-8. Et pour en revenir au rapport que je porte ce soir, ce sont des attributions de subventions sur la troisième partie et c'est pour le secteur 4, Massilia Triathlon, à hauteur de 3000 euros. Elle a reçu un avis favorable de la commission. Monsieur Vincent, des questions ? Non, pas de questions. Nous allons passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Ce rapport est adopté. Merci, Monsieur Vincent. Et pour ce rapport qui devait être présenté par Madame Casanova Gavino, c'est Madame Masson qui vient au pupitre. Merci, Madame Masson. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, mes chers collègues, les habitants et les habitantes ici présents et derrière leur écran. J'avais une petite photo. Voilà, on fait un peu d'histoire. Donc, vous voyez la crèche Vauban, qui est la première crèche municipale de Marseille. Donc, de France. Merci, Monsieur Morette, je ne savais pas. Donc, ce soir, je vous présente un rapport sur une proposition de Madame l'adjointe en charge de la place de l'enfant dans la ville, Madame Sophie Guérard. Donc, la ville de Marseille assure directement la gestion de 62 établissements d'accueil du jeune enfant, qui accueillent chaque année plus de 5000 enfants. Conformément au Code de la santé publique, le fonctionnement de ces structures est régi par un règlement approuvé par délibération qui précise notamment l'organisation générale, les modalités d'accueil des enfants, la tarification du service et la délivrance de soins spécifiques. Par délibération du 8 avril 2022, le Conseil municipal a modifié le nouveau règlement de fonctionnement en approuvant les nouveaux critères d'attribution de places. Il est proposé de modifier à nouveau ce règlement sur différentes dispositions, notamment l'application de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, appelée loi ASAP, la mise en place d'une commission collégiale qui examinera les situations des familles qui ne respectent pas les dispositions du règlement de fonctionnement, les pièces à fournir pour le dossier d'admission, la mise en place d'une facturation de la journée complète aux familles en cas d'oubli répété d'enregistrement des heures d'arrivée et de départ des enfants, enfin la mise en place d'un versement compensatoire aux familles qui fournissent des paniers repas pour leurs enfants atteints d'allergies alimentaires. Un prix est fixé unitairement par panier repas à 2,39 euros pour les enfants jusqu'à 12 mois, 2,68 euros pour les enfants de 13 à 18 mois et 2,77 euros pour les enfants de plus de 19 mois. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci, Madame Masson. Des questions ? Non. Donc, nous allons passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté. Et nous passons au rapport numéro 11, présenté par Madame Abour, et qui témoigne de notre intérêt pour la place de l'enfant dans la ville. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir chers collègues, et bonsoir Mesdames et Messieurs les habitants. Ce rapport est soumis au Conseil municipal par Monsieur le maire de Marseille, sur proposition de Madame Marie Batou, adjointe en charge de l'éducation populaire. Il concerne l'attribution de subventions à des associations œuvrant en faveur des enfants et des jeunes. Quels sont les axes qui sont retenus comme prioritaires pour les propositions de subventions dans ces projets, dans les projets qui ont été soumis ? Alors, le premier axe, c'est privilégier les actions en direction des enfants fondées sur une démarche d'éducation populaire, à savoir la capacité à faire ensemble, le vivre ensemble, le pouvoir d'agir, la transmission d'outils pour apprendre et favoriser l'autonomie. Le second axe, c'est soutenir les actions en lien avec le projet éducatif de territoire, donc le PEDT. J'en profite pour vous rappeler les principaux axes du PEDT que vous pouvez voir donc sur la diapo. Et je vous laisse un instant pour le lire. «
Le troisième axe pour soutenir les actions, donc c'est soutenir des actions à visée d'émancipation sociale par le loisir éducatif ou l'éducation artistique et culturelle. Ensuite, soutenir les actions qui développent des partenariats avec les opérateurs des accueils collectifs de mineurs, donc les ACM, ou pour simplifier, les centres aérés, ou les structures sociales, les centres socioculturels. Soutenir les actions d'accompagnement des enfants en situation de fragilité et soutenir des projets en faveur des valeurs de la République, de la laïcité et du vivre ensemble. Un montant total de 40 000 euros est ainsi soumis à notre approbation pour aider ces associations dans la réalisation de projets d'animation et d'intégration. 40 000 euros, c'est pour l'ensemble de la ville. Pour notre secteur, deux associations sont concernées. Tout d'abord, les Francs et Franches Camarades, donc les Franca, pour trois projets. Graines de philo pour un montant de 2 000 euros. Affichons la laïcité pour un montant de 4 500 euros. Place à nos droits 2022 pour un montant de 2 500 euros. Et les Francas sont intervenus à trois reprises dans le centre Michel Lévy pour des ateliers philo avec les enfants. La deuxième association qui est concernée, c'est Parole d'enfants pour un projet qui s'appelle Bouge pour tes droits, pour un montant de 2 000 euros. Des membres de cette association sont déjà intervenus le mercredi 8 juin à Bagatelle pour 120 enfants de nos centres aérés et des centres socioculturels qui souhaitaient participer. Les 120 enfants ont été séparés en deux groupes et les enfants ont participé à des jeux et à du théâtre interactif, donc certains le matin, certains l'après-midi. Ces jeux et ce théâtre, c'était autour des droits de l'enfant, bien sûr. Ça avait été très intéressant et les enfants avaient été ravis de leur journée passée ici. Et cette association va à nouveau intervenir dans chacun de nos centres aérés, cette fois-ci, à deux reprises, une fois cet automne et une fois au début de l'année 2023. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci, Madame Abour. Question ? Non. Donc, nous allons passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté. Et alors là, nous allons passer par une... Nous allons avoir une longue série de rapports qui vont être présentés par Madame D'Agostino, dont je pense que c'est le conseil d'arrondissement. C'est son conseil d'arrondissement. Et donc le premier des rapports qu'elle va nous présenter est un rapport qu'elle porte pour à la place de Lee Ferrero. Oui, alors bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à toutes et tous. Chers collègues, chers habitantes et habitants, je voudrais un petit peu comme mes autres camarades dire en fait que tout au long du mois de septembre, nous avons organisé donc les portes ouvertes dans nos 12 centres d'animation et que notre politique de diversification de l'offre a porté ses fruits puisque ce sont désormais quelques 200 activités et actions qui sont proposés dans nos centres municipaux d'animation, grâce au tissu associatif, grâce aussi également aux équipes d'animatrices et d'animateurs donc, qui y travaillent. Donc voilà, je voulais juste vous dire que en fait, tout le monde est le bienvenu. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les envies, pour tous les besoins. Donc, que ce soit le domaine de l'action sociale, que ce soit le domaine des cultures, que ce soit le domaine des sports, le domaine des loisirs. Donc voilà, je voulais juste, pour celles et ceux qui le souhaitent, vous inviter à regarder le site de la mairie du 6-8 pour y trouver toutes les informations et éventuellement vous y inscrire. Voilà. Une quarantaine d'associations supplémentaires par rapport à l'an passé. Oui, tout à fait. Voilà, et donc cette délibération numéro 12 qui concerne la lutte contre les discriminations et qui est un combat important porté par notre mairie. Voilà. Donc ce rapport nous est proposé par Monsieur Théo Chaland-Névoré, adjoint en charge de la démocratie locale, de la lutte contre les discriminations, de la promotion des budgets participatifs et du service civique.
Les discriminations sont des différences de traitement entre personnes physiques selon des critères subjectifs. Elles sont interdites par la loi. La loi qui recense 25 critères. Selon les données de l'INED, les discriminations ne diminuent pas au fil du temps et ont même tendance à augmenter. Des milliers de personnes les subissent. Ces pratiques ont des effets profonds, délétères et destructeurs au niveau individuel. Mais les discriminations ont également des conséquences sur la société en elle-même. Elles discréditent le discours d'égalité, disqualifient une partie de notre vie ensemble, de notre vie collective, altèrent la cohésion sociale. Agir sur les discriminations permet ainsi de rétablir le lien social et une confiance vis-à-vis d'un modèle de société démocratique. Agir sur les discriminations n'est donc pas une option. Et la ville de Marseille se saisit de cet enjeu crucial en engageant une politique de lutte contre les discriminations qui vise à agir sur les mécanismes qui conduisent à des discriminations, avec et auprès des habitantes et des habitants. Pour mettre en œuvre cette politique, elle renforce son soutien au tissu associatif qui agit au plus près des territoires et des personnes concernées. C'est ainsi qu'est soumise à votre approbation une deuxième répartition des crédits de 2022 pour un montant de 89 604 euros. Une association est concernée dans le 6-8 pour un montant de 1 604 euros. Il s'agit de l'association Tea Time, association féministe d'autosupport, qui propose un accompagnement social et sanitaire des personnes trans, intersexes, et en questionnement. Elle propose également des formations sur la transphobie au personnel accueillant, organise des stages d'autodéfense, des arpentages et un événement militant pour le jour du souvenir trans qui est le 20 novembre, je vous le rappelle. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci Madame D'Agostino. Une intervention ? Pas d'intervention ? Mettons le rapport aux voix. Qui vote contre ? Monsieur Maranda. Je m'étonnais. Il n'y a pas un micro pour... Non, non, ce ne sont pas des inepties. Les discriminations sont interdites par la loi. Bon. Voilà. Merci. Un vote contre, donc. Voilà, donc, nous passons... Comment ? Des abstentions ? Qui s'abstient ? Bon, donc le rapport est malgré tout adopté. Et donc, avant de laisser toujours la parole à Madame D'Agostino, je voudrais dire un mot pour Baptiste Luçon, qui a eu un très grave accident en vélo. Accident. Et qui est notamment dû au fait que les cyclistes ne sont pas assez protégés à Marseille. Donc, je voudrais lui dire un petit mot personnel. Courage à toi, Baptiste. Et c'est Alexandra qui va porter ton rapport aujourd'hui. Oui, courage à toi, Baptiste, et je suis très fière de te représenter ce soir. Donc, le rapport numéro 13 a pour objet l'attribution de subventions pour l'année 2022 à des associations qui œuvrent en faveur de l'insertion professionnelle et de l'emploi. Il s'agit donc d'une deuxième série. Ce rapport est proposé par M. Laurent Lardy, adjoint en charge du dynamisme économique, de l'emploi et du tourisme durable. À Marseille aujourd'hui, le taux de pauvreté est de 26%, soit 226 000 Marseillaises et Marseillais, selon les sources de l'analyse des besoins sociaux du CCAS. À Marseille, le taux de chômage des personnes âgées de 15 à 64 ans est de 17%. 130 000 personnes sont inscrites comme demandeurs et demandeuses d'emploi et ce nombre a augmenté de 38% depuis 2010. La situation est encore plus difficile pour les femmes, les jeunes et les plus âgées. Les difficultés d'accès à l'emploi et d'insertion socio-professionnelle sont bien connues. Défaut de qualification et de compétences,
mais aussi de nombreuses autres difficultés, telles la mobilité, l'accès au logement, la santé, les difficultés de conciliation et de garde des enfants. Ces problématiques sont une préoccupation majeure pour la ville de Marseille, qui, à nouveau, soutient le tissu associatif, agissant sur la levée des freins, qu'ils soient périphériques ou non, d'accès à l'emploi et à l'insertion, en fonction des besoins individuels, des besoins sociaux et économiques des territoires. C'est ainsi qu'est soumise à votre approbation une deuxième série de conventions et de subventions, dont les dépenses sont inscrites au budget primitif 2022 pour un montant de 168 500 euros. Deux associations sont concernées dans le 6-8. L'association Protis, qui accompagne depuis 25 ans les bénéficiaires du RSA dans leur démarche d'insertion socio-professionnelle. Protis qui porte depuis juillet 2021 une plateforme mode de garde qui concerne essentiellement un public majoritairement féminin et isolé, ayant en charge l'éducation d'un ou plusieurs enfants mineurs. En 2022, elle fera un accompagnement spécifique et renforcé auprès de 20 bénéficiaires du RSA, accompagnement qui se rajoutera au mode de garde afin de favoriser durablement leur projet d'insertion. La deuxième association est l'association Mission Locale de Marseille, qui, comme vous le savez, accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leur démarche d'insertion. Et complémentairement à cette mission globale, la Mission Locale de Marseille mène une action spécifique et innovante intitulée « Sans chance, sans emploi », qu'elle porte conjointement avec l'entreprise Schneider Electric et qui se déploie à Marseille sur les QPV. L'objectif de cette action est de rendre autonome et de placer en emploi 60 jeunes sur plusieurs arrondissements ayant validé un projet professionnel. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci, Madame D'Agostino. Une intervention, Monsieur Morin. Merci, Monsieur le maire. Madame l'adjointe, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, j'ai peut-être été inattentif. Vous avez donné le taux de chômage à Marseille. J'ai entendu... Sur le nombre de personnes, pas sur le nombre d'actifs. Donc on est à 17% sur le nombre d'actifs, c'est 10,1% comme vous le savez, au sens du BIT. Voilà. Et il est bien supérieur à la moyenne française. Il est à 10,1 pour 9,6 d'après le site data des communes de France. Oui, oui. Mais ça, merci beaucoup, chiffres, c'était pour vérifier. Non, mais je suis statisticienne, ces chiffres sont issus de l'INSEE. D'accord. Oui, mais je ne crois pas qu'il y ait de statistiques INSEE sur Marseille elle-même. Je crois que c'est le bassin d'emploi Marseille-Aubagne, pour être précis. Non, non. Mais nous sommes d'accord, en tout cas, avec le rapport, puisque les associations... D'accord. Que vous indiquez sont également subventionnés et par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et par le département des Bouches-du-Rhône. Vous allez aussi sur le site de Pôle emploi, vous verrez que le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 38% depuis 2010. Bon. Oui, on va passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté. Le rapport 14 a été retiré. Donc nous passons au rapport 15, toujours porté par Madame D'Agostino. Oui. Donc l'objet de ce rapport est d'autoriser le versement de subventions complémentaires aux centres sociaux en complément du financement d'animation globale et de coordination. Donc il s'agit de la quatrième répartition 2022. Ce rapport nous est proposé par M. Ahmed Edadi, adjoint en charge du lien social, de la vie associative, du bel âge et de l'animation urbaine. La ville de Marseille souhaite renforcer son soutien aux centres sociaux et plus particulièrement ceux œuvrant sur des zones de vie sociale, soit sur les territoires les plus en difficulté, identifiés sur le critère de la faible capacité contributive des familles. De fait, elle entend agir en faveur de la réduction des inégalités sociales et territoriales qui, cette année encore, sont rappelées par les rapports du CCAS de la ville de Marseille. C'est ainsi qu'est soumis à votre approbation le versement à valoir sur le budget 2022 de subventions complémentaires au titre des dépenses d'animation globale et de coordination. Le montant total de la dépense s'élève à 357 092 euros.
et 3 centres sociaux donc, sont toujours concernés dans le 6-8. Le centre social Mer et Colline, le centre social Roi d'Espagne et le centre social Saint-Ginier-Milan. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci Madame D'Agostino. Une intervention ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté. Et donc nous allons passer au rapport, oui, le rapport numéro 16. Évidemment, alors, l'objet de ce rapport est d'autoriser donc le versement d'une subvention au centre social Mer et Colline pour son action spécifique ayant trait à l'organisation d'échanges interculturels de jeunes de France, d'Allemagne et de Bosnie en 2022. Ce rapport nous est proposé par Madame Michèle Rubirola, première adjointe. Et ce rapport témoigne de la volonté de la ville de Marseille de mettre en valeur l'identité européenne en soulignant la richesse de sa construction dans sa diversité culturelle. C'est ainsi qu'est soumis à votre approbation le versement d'une subvention de 2000 euros au centre social Mer et Colline. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Une intervention ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté. Rapport numéro 17. Donc ce rapport a pour objet l'attribution de subventions à des associations agissant en faveur des droits des femmes. C'est une deuxième répartition 2022. Il nous est proposé par Madame Nathalie Tessier, ici présente, conseillère déléguée aux droits des femmes et à la lutte contre les violences faites aux femmes. À Marseille, aujourd'hui, les inégalités femmes-hommes restent très marquées sur le marché du travail, dans la sphère domestique. L'emploi des femmes est de 56%, quand celui des hommes est de 63%. Les femmes ont la responsabilité de 90% de familles monoparentales, alors qu'une sur deux n'a pas d'emploi. 35% d'entre elles vivent en dessous du seuil de pauvreté dans les quartiers prioritaires de la ville de Marseille. Et elles sont 4 fois plus nombreuses à occuper un temps partiel que les hommes. En France, aujourd'hui, une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. Le nombre de femmes victimes de violences commises par leur conjoint ou ex-conjoint est estimé à 213 000 personnes. Celles victimes de viol ou tentatives de viol est estimée à 94 000 femmes. Et ce sont des estimations minimales. Des chiffres alarmants, une réalité glaçante, qui signe que la question des violences conjugales ne peut pas être une affaire privée, que les violences sexistes et sexuelles concernent tous les groupes sociaux et économiques et trouvent leurs racines dans l'organisation patriarcale de la société. Aujourd'hui, donc, les inégalités femmes-hommes, les violences sexistes et sexuelles doivent être encore et toujours combattues. La nouvelle équipe municipale s'engage ainsi à faire de Marseille une ville égalitaire, une ville féministe, une ville qui lutte contre les stéréotypes, les discriminations et les violences liées au genre, aux orientations, aux origines et aux croyances. Cet engagement est nécessaire. Il doit s'accompagner d'actions concrètes au niveau local. C'est ainsi que la ville de Marseille soutient les associations qui œuvrent en faveur des droits des femmes, défendent l'égalité femmes-hommes et agissent contre les violences faites aux femmes. Est donc soumise à votre approbation une deuxième répartition des crédits de l'année 2022 d'un montant de 123 600 euros. 6 associations sont concernées dans le 6-8. Il s'agit de l'Amicale du Nid, qui propose un accompagnement global et spécifique des personnes en situation de prostitution vers la sortie de prostitution. L'association diaconale protestante Maraban, pour son action, de lutte contre l'isolement des femmes et de développement de leur pouvoir d'agir. L'association Solidarité Femmes 13, qui, comme vous le savez, accueille, accompagne
héberge les femmes victimes de violences ainsi que leurs enfants. Il s'agit également de soutenir financièrement un cycle de 4 marches exploratoires, La rue est à nous, et initier une concertation avec les pourvoirs publics afin d'améliorer l'aménagement urbain. Il s'agit également de l'association Réseau Santé Marseille Sud, qui propose des dispositifs de soutien aux femmes vivant avec le VIH ou les VHC, Et ce projet vise à lutter contre leur stigmatisation, favoriser le lien social, sortir de l'isolement et travailler sur l'estime de soi. Il s'agit également de l'association Mère et Colline, du centre socio-culturel Mère et Colline, pour ses ateliers de sensibilisation et de prévention autour des enjeux de lutte contre les inégalités, les stéréotypes et les violences auprès d'un groupe de femmes touchées par la précarité, mais également auprès de jeunes du territoire. Et puis enfin, l'école des parents et des éducateurs des Bouches-du-Rhône, centre de pédagogie familiale, pour son projet « Femmes, santé, sexualité, et si on en parlait ?» qui vise à renforcer la prévention, le dépistage, l'accès aux droits de santé et la prise en charge des personnes les plus exposées aux infections sexuellement transmissibles, dont le VIH. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci Madame Nagostino. C'est un combat ô combien nécessaire et le mener au quotidien. Bravo. Merci Madame Tessier. Une intervention ? Monsieur Maranda. Oui, après avoir écouté ce morceau que l'on pourrait qualifier de propagande féministe et woke, il est quand même très amusant, après votre discours précédent voulant lutter contre les discriminations, de nous faire maintenant ce plat qui, je trouve, est très discriminant en fonction du sexe. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Bah écoutez, je vous laisse vos propos. Il n'y a rien à répondre à ce que vous venez de dire. C'est juste honteux. D'autres interventions ? Puisqu'il n'y en a pas d'autres, nous allons passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté. Et nous passons au... Alors, le rapport 18 a été... retiré. Il a été retiré. Retiré. Donc, nous passons au rapport 19, qui est toujours porté par Madame D'Agostino, voilà, sur un autre genre. Je vous remercie, Monsieur le maire. Donc, il s'agit donc, l'objet du rapport 19 et concerne l'attribution de subventions à des associations agissant en faveur des mémoires des rapatriés et des anciens combattants. Et il s'agit de la troisième répartition 2022. Il nous est proposé par Madame Lisette Narducci, adjointe en charge des familles, des mémoires et des anciens combattants. La ville de Marseille a décidé d'aider certaines associations œuvrant en faveur des personnes résidant dans notre cité, dans le domaine des mémoires, des anciens combattants et des rapatriés. C'est ainsi qu'est soumise à votre approbation une troisième répartition des crédits 2022 pour un montant de 3 600 euros. Une association est concernée dans le 6-8. Il s'agit de l'association Fonds social juif unifié pour la mise en place d'un événement autour du prix Robert Mizrahi, qui est un concours et qui vise à interroger des survivants de la Shoah ou de leurs petits-enfants par des jeunes entre 17 et 25 ans. Cette remise de prix sera l'occasion de rappeler la grande rafle à Marseille en janvier 1943 et d'évoquer la transmission après la disparition des derniers témoins. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Je vous remercie. Une intervention sur ce rapport. Pas d'intervention. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Ce rapport est adopté. Il ne vous reste plus qu'un dernier effort pour un rapport qui, cette fois, c'est pour soutenir une outil tech et du bricolage solidaire. Donc, tout à fait. En tout cas, dans le 6-8.
Donc, il s'agit donc d'un rapport proposé par Madame Audrey Gassian, adjointe en charge de la politique de la ville et des mobilités. Et dans le cadre du contrat de ville, cadre de la politique contractuelle, vous en avez parlé tout à l'heure, Monsieur le maire, visant donc les quartiers les plus en difficulté, 35 QPV, la ville de Marseille souhaite poursuivre ses engagements et financer des projets d'investissement pour réaliser des opérations de développement social urbain, et ce, afin de permettre une meilleure intégration des quartiers prioritaires de la ville de Marseille, réduire les écarts de développement et les situations d'exclusion. Est donc soumise à votre approbation l'affectation de l'autorisation de programme Mission Aménagement Durable et Urbanisme à hauteur de 370 913 euros pour le versement de subventions à des associations développant 32 actions. Une association donc est concernée dans le 6-8. Il s'agit des Compagnons Bâtisseurs Provence. Afin de soutenir le financement du projet d'équipement et d'aménagement de l'outil tech de Noailles, rue de l'Arc. Et pour rappel, les outils tech, ce sont des lieux où les personnes peuvent venir pour emprunter des outils, bricoler sur place, obtenir des conseils, participer à des ateliers collectifs ou simplement faire des rencontres conviviales. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci Madame Dagostino et bravo aux outils tech. Qui a une intervention ? Pas d'intervention. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté. Merci. Et le rapport 21 a été retiré. Et le rapport 22 est particulièrement important parce qu'il va permettre d'augmenter le taux de logements sociaux dans le 6e arrondissement, qui, je le rappelle, est de 4%. Et quand on connaît les besoins en logement social dans les quartiers sud de la ville, 4% dans le 6e, 7% dans le 8e, on ne peut que s'en réjouir. Donc, Madame Michaud, c'est pour vous. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, ce rapport nous est présenté conjointement par monsieur Joël Canicave, ici présent, adjoint en charge des finances, des moyens généraux et des budgets participatifs, et par monsieur Patrick Amicot, adjoint en charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat indigne. Il porte sur la garantie d'emprunt accordée par la ville de Marseille à la société Adoma pour l'acquisition et la création d'une résidence sociale de 28 logements aux 12 rue Dragon dans le 6e arrondissement. Adoma est le premier bailleur du logement et de l'hébergement accompagné en France et gère notamment près de 45 000 logements sur le territoire national. Pour ce qui est de la garantie d'emprunt, précisons que c'est un engagement par lequel une collectivité, le garant, accorde sa caution à un organisme, le débiteur. Il s'agit ici, pour la ville de Marseille, de permettre à la société Adoma d'obtenir auprès de la Banque des Territoires un emprunt d'1 553 557 euros. Cette garantie d'emprunt se fait de manière conjointe avec la métropole Aix-Marseille-Provence, chacune apportant sa caution à hauteur de 781 779 euros. Dans ce 6e arrondissement, qui manque, comme monsieur le maire l'a rappelé, cruellement de logements sociaux, donc 4% contre plus de 40% dans les 14e et 15e arrondissements, cette résidence sociale de 28 logements meublés aura pour vocation d'apporter à des personnes isolées en situation de précarité une solution de logement transitoire dans l'attente d'un relogement dans le parc immobilier traditionnel. Comme dans toutes les résidences sociales Adoma, les résidents paieront une redevance adaptée à leurs ressources et à leur situation familiale.
Ces habitants bénéficieront d'un accompagnement social et de la présence quotidienne de la personne responsable de la résidence. Je souhaite ajouter que nous serons attentifs à la mairie de secteur à réserver le meilleur accueil à ces nouveaux habitants et à les encourager à participer à nos actions, qu'elles soient de loisirs, de sport ou de culture. Cette délibération a reçu un avis favorable de la commission. Merci Madame Michaud. Des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté. Et nous restons dans le 6e arrondissement avec Madame Delage pour le rapport numéro 24. Bonsoir à tous et toutes, monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs qui nous suivent. Avant de présenter ce rapport, ma collègue Anne Meillac en a parlé tout à l'heure, mais j'aimerais à nouveau saluer l'engagement des habitants et des commerçants de la place Notre-Dame-du-Mont qui ont donc initié un gros travail pour transformer la place Notre-Dame-du-Mont et la place Paul Cézanne hier soir. Donc ce travail a été lancé dans le cadre d'une première concertation initiée donc par la mairie de secteur. Deux points ont été abordés. Le premier point concernant les déplacements et le stationnement sur la place, donc la mobilité sur la place des piétons, des voitures, des vélos. Et le deuxième point, c'était vivre sur la place et faire en sorte que tous et toutes puissent prendre place donc, sur cette place. La prochaine étape aura donc lieu le 10 octobre à 18h30. Et je tiens à féliciter d'ores et déjà le travail des habitants et des habitantes, des commerçants et des commerçantes. Et je les invite à nouveau à venir participer à cette prochaine étape de la concertation, donc le 10 octobre. Le rapport que je vais donc présenter est proposé par Madame Bernardi, adjointe en charge du commerce, de l'artisanat, des noyaux villageois, de l'éclairage public, des illuminations et de la vie nocturne. Il porte sur l'attribution d'une subvention aux associations Les Commerces de la Butte, la République des commerçants, ACAL Saint-Barnabé pour la réalisation de leur programme d'action. Pour notre secteur, et plus particulièrement donc, comme vous l'avez signalé, pour le 6e arrondissement, il s'agit d'attribuer une subvention de 30 000 euros à l'association des commerces de la Butte. Cette association est née en 2008 et est devenue un acteur central dans l'animation du quartier. Son programme pour l'année 2022 comporte ainsi la mise en place du parcours street art avec l'intervention d'artistes et la réalisation de fresques géantes, la végétalisation du cours Julien et des abords des commerces, des animations et des concerts à l'occasion de la fête de la musique, le renouvellement de la journée vintage, des animations festives dans le cadre de Noël à la Butte, et enfin la mise en route du projet de collecte et de gestion des déchets professionnels de la Butte. Ce rapport a donc reçu un avis favorable de la commission. Je vous remercie. Je tiens à signaler que la mise en route du projet de collecte et de gestion des déchets professionnels est un très grand succès. Les commerçants, petit à petit, se mobilisent autour de ces Synchronicity qui gère le sujet. Et ça permet aujourd'hui à ce secteur, dont on sait combien il y a de restaurants, d'être exemplaire au niveau de la ville de Marseille sur la gestion des déchets professionnels. Et on tient à remercier l'Association des commerçants de la Butte de participer activement à cette mise en place. Et donc, y a-t-il d'autres interventions sur le sujet ? Monsieur Méry. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Toutes et à tous. Je ne sais pas tellement sur le rapport directement que je voudrais poser une question, mais sur un fait qui m'étonne. Ça concerne l'ouverture d'un fast-food avenue du Prado, au 61, je crois, avenue du Prado, un McDonald's, au 80 avenue du Prado. Voilà, c'est une autorisation de travaux qui a été faite le 28/02/2022 par les services de la mairie et sous l'autorité de l'adjoint au maire compétente.
Et ça m'étonne, pourquoi ? Parce qu'il y a un fast-food déjà qui est au Burger King, qui est au 6 avenue du Prado, et il y a un autre fast-food, McDo, qui est au tout début de la rue de Rome, sur la place Castellane. Alors, je ne crois pas que le printemps marseillais soit fasciné par la gastronomie des fast-foods américaines, ni par, comment on pourrait dire, les qualités sanitaires de cette nourriture. On le sait qu'elle va servir à tous les enfants des écoles, sans doute, qui sont autour, enfin plutôt rue Paradis. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de la part de votre majorité de pouvoir éviter cette hyper concentration sur 100 mètres, en gros, de fast-food ? C'est-à-dire, en gros, sur 100 mètres, vous avez 3 fast-food, 2 McDo, 1 Burger King. Alors, je voudrais savoir, et en plus, on sait, dernièrement, j'ai regardé que c'est le 9 septembre, l'adjointe compétente Rebecca Bernardi s'était indignée du fait que le fast-food du Vieux-Port avait jeté ses huiles dans les caniveaux et qui était évidemment... C'était pas d'huile. Alors bon, les autres boissons gazeuses et tout ça... Oui, c'est interdit, ben, je sais bien que c'est interdit. Donc voilà, je m'étonnais en tous les cas vers cette augmentation vertigineuse du nombre de fast-food sur l'avenue du Prado. Donc, je ne sais pas si l'objet de la délibération... Non, pas directement, non, mais c'est une interrogation. Ceci étant, la question que vous posez est une vraie question. Quelle est la place du fast-food alors qu'on cherche à défendre la santé dans l'alimentation? On parlait tout à l'heure, Marie-Hélène Omsalem en parlait tout à l'heure, de la santé par l'alimentation avec l'assiette à du goût. Aujourd'hui, que puis-je vous dire d'autre que, effectivement, nous ne nous réjouissons pas de cette installation. Pour autant, une délibération a été prise en conseil municipal qui étend le droit de préemption sur les locaux commerciaux à l'ensemble de la ville. Elle est en train de se mettre en place petit à petit. Et effectivement, alors sur ce dossier-là, très précisément, on l'a vu passer, je sais, à la signature des permis de construire. Ceci étant, vous savez bien que s'opposer à un bail commercial pour une mairie de secteur, ce n'est pas possible. En revanche, je ne sais pas exactement ce qu'il en est sur la préemption qui pourrait être réalisée par les services de la mairie centrale, par Madame Bernardi. Mais la question que vous posez, effectivement, on a Burger King, on va avoir un McDo, on devrait avoir un McDo, peut-être qu'il y en aura d'autres. C'est pas ça qu'on souhaite, effectivement, pour cette ville. C'est pas ça qu'on souhaite sur les allées du Prado, qui méritent mieux que de ce type d'établissement. Je vous remercie de votre réponse. On va passer à d'autres questions, d'autres interventions. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté. Madame Delage, je vous remercie. Le rapport numéro 25 a été retiré et nous passons au rapport numéro 26. Je voudrais dire qu'être solidaire avec les plus précaires dans notre monde qui est en crise, c'est aujourd'hui un devoir et les associations qui vont être défendues qui sont subventionnées dans ce rapport, c'est simplement de l'humanité que nous mettons dans notre société qui a abandonné beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants. Monsieur Mounia, c'est à vous. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, chères habitantes et chers habitants, avant de rentrer dans le vif du sujet du rapport, juste un petit préambule sur un événement qui aura lieu à la fin de l'année. C'est un événement phare que nous portons dans le secteur, qui s'inscrit dans le Festival des Solidarités. Alors, c'est l'événement Rock Solidaire qui aura lieu le 19 novembre au cours Julien. Et lors de cette action, de cet événement, en fait, on va inviter beaucoup d'associations dans le domaine de la solidarité. Donc, ce sont des maraudes, des associations connues comme SOS Méditerranée, etc., qu'on va inviter pour venir présenter leur travail, leur action aux citoyens et aux citoyennes. Et pour un peu animer cette journée, on va aussi inviter des groupes de rock à jouer dans différents lieux du cours Julien et de Notre-Dame-du-Mont. Alors il y a des lieux assez originaux, hein, comme l'église. Il y aura aussi un magasin de glace. Donc
le 19 novembre. Non, c'est vrai. Donc le 19 novembre, je vous invite tous et toutes à venir au cours Julien pour passer un agréable moment, mais aussi rencontrer toutes ces associations qui font un travail remarquable. Hein, et ce sera un moment aussi d'échange avec ces associations. Donc je vous invite tous le 19 novembre. Autre point aussi, pour rebondir sur le rapport numéro 4 qui a été présenté par M. Bonafou, qui concerne cette maisonnette solidaire donc, dans le quartier Sainte-Anne, derrière le Corbusier. Donc moi, je suis assez fier de porter ce projet avec mes collègues et on vous tiendra au courant de l'évolution de ce projet, de la construction et de la mise en place de ce projet. Mais vous aurez toutes ces informations, aussi bien pour la maisonnette solidaire, et pour l'événement Rock Solidaire, toutes les informations sur le site de la mairie. Donc là, on peut passer au rapport. Donc ce rapport, il nous est adressé par Madame Garino, adjointe en charge des affaires sociales, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté et de l'égalité des droits. Alors c'est un rapport qui concerne des attributions de subventions à des associations dans le cadre de la Convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et l'accès à l'emploi. Et ce CALPAE, je ne sais pas comment on dit, il s'inscrit dans le cadre du plan Marseille en grand, qui donne l'impulsion à l'élaboration de projets qui traduisent une volonté et un engagement commun de la ville et de l'État d'agir ensemble pour mieux identifier et combattre la grande précarité sur notre territoire. Les associations concernées par notre secteur sont indiquées sur la diapositive ainsi que le montant qui leur est attribué. Le rapport a reçu un avis favorable de la commission. Je vous remercie, Monsieur Mounien. Une intervention ? Nous allons passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté. Et nous en avons fini avec l'ordre du jour. Et je déclare donc ce conseil d'arrondissement clos et terminé. À la prochaine fois. Et merci beaucoup de votre...